Quel bien ça fait de ressortir, même si j'ai pas encore retrouvé le goût et l'odeur, mais ça fait clairement du bien de reprendre l'air. J'ai fait 10 jours de confinement, enfin d'isolement à la maison, et je ressors enfin pour aller au bureau. J'ai plus aucun symptôme, à part la perte de goût et la perte d'odorat, mais je reparlerai dans la journée. Mais pour l'instant, enfin de retour au bureau, je viens de prendre des cafés, des monsters, des snacks pour la team, pour reconnecter un peu avec la team, et je me réjouis à fond. Messieurs, je rigole. Ça va ? Ça va bien. Bon, je pense qu'il y aura plein de courriers en retard là. Ce serait joli. Oula, ça déborde. Oh putain. Bon. Je pense qu'il y a au moins 15 lettres, mec. Bon alors. Facture. 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 Ah, ça, on s'en fout. Pas de facture. Facture. Ça, c'est pas de facture. Bon, ça va en gros. Je crois qu'il y en a que pour 10 000, mec. En espérant que le micro marche encore. Pas mal le fond, pas mal du tout. Bon, je voulais commencer plus tôt à faire cette vidéo, mais il est 16h45 et il fait quasiment nuit dehors là. Mais voilà, pour vous faire un peu une update sur mon retour du Covid, back from Covid. Donc j'ai fait 10 jours d'isolement là. Honnêtement, je suis vraiment pas à plaindre. J'ai eu écho de potes et de personnes que je connais qui ont vraiment morflé de ce virus. Moi, je dois avouer que les gros symptômes que j'ai eus, qui étaient vraiment chiants pour le coup, que j'ai encore d'ailleurs, c'est la perte de goût et la perte d'odorat, indirectement liée. Ce qui fait que je sens vraiment rien des narines. Quand je bouffe, je sens rien du tout. Ça commence un tout petit peu à revenir. Maintenant, je sais pas si c'est ma force psychologique qui me dit « Allez mec, crois-y à fond, ça va revenir. » ou si ça revient effectivement, mais en tout cas vraiment je peux manger des tortellini, je peux manger du crumble à la pomme, je peux manger du salé, du sucré, je sens pas de différence. Et moi qui suis un fan de bouffe, franchement c'est ultra chiant. Mais sinon en termes de symptômes, de maladies, j'ai eu des courbatures dans le dos, j'ai eu une toux, pas une grosse toux mais une toux quand même présente. Après j'ai eu des maux de tête de fou, vraiment genre des coups de couteau dans la tête, ça c'était vraiment le pire je dirais. Donc c'était les symptômes les plus chiants on va dire, mais pas de fièvre heureusement, pas de nausée, pas de problème respiratoire. Donc je touche du bois, j'ai vraiment eu de la chance. En tout cas, force aux personnes qui l'ont eu, force aux personnes qui l'auront. Il y a de plus en plus de monde maintenant qui sont touchés par ça. Et voilà, je pense qu'il faut s'accrocher, il faut prendre soin de soi, accepter aussi un petit peu cette période plus calme, accepter aussi si on est malade, de voilà, poser le pied, mettre le frein à main, de se dire « Ok, maintenant, je prends le temps pour moi, je reprends des forces. » Et moi, c'était le truc le plus dur à faire au début. J'ai vraiment eu la peine, surtout que c'est une période qui est très importante pour l'agence. Mais je l'ai fait, j'avais pas le choix, et si je voulais revenir à fond pour travailler, bah j'avais pas le choix de le faire. Et d'ailleurs, je l'ai appris de la manière dure, parce que j'ai commencé à avoir des symptômes mercredi, pas passé, mais celui d'avant. Et le samedi, je me suis dit, ok, je vais prendre un week-end tranquille, et dès lundi, je recommence à bosser, je serai isolé, mais je pourrai travailler. Et j'ai bossé lundi, et comme un con, je me suis levé à 7h le matin, j'ai commencé à bosser genre à 7h30 jusqu'à 18h à fond, en me disant c'est bon, ça a passé, crème ce virus, j'en ai rien à foutre, je suis fort que ça, je vais tenir le coup. Mon cul, lundi soir j'étais éclaté, mais éclaté. Mardi matin, impossible de me réveiller, et j'étais un légume de mardi, mercredi, jeudi, j'étais un légume, je n'avais juste aucune force. Et je pense que c'est un des symptômes pour les personnes qui l'ont eu ou des personnes qui l'auront, c'est la fatigue. Et là je me sens plus fatigué qu'avant, ça va mieux, mais je sens encore qu'il y a eu un impact. En tout cas maintenant, back to business, de retour à fond, motivé comme jamais. J'ai vraiment un lion en cage qui ne demande qu'à sortir. J'ai vraiment une masse, mais une masse d'énergie là. Pour vous faire un peu une update sur la situation actuelle, bien évidemment, vous l'avez vu, il y a la deuxième vague Covid qui vient d'arriver. La presse a remis de l'huile sur le feu.
il y a des mesures qui ont été prises. Dans tous les cas, un max de force à toutes les personnes qui sont touchées de près ou de loin par la situation actuelle. Tous les business qui en souffrent, qui morflent à fond de la situation, les bars, les restaurants qui sont bloqués. Franchement, c'est une période difficile à traverser. Clairement, le mental joue beaucoup là-dedans. Faut vraiment... Moi, en tout cas, perso, je n'ai plus du tout la presse. J'en ai déjà parlé, mais j'ai l'impression que ça me fout les boules, quoi. À chaque fois que je prends un article de presse, un média, la télévision, une presse écrite, peu importe, à chaque fois, je vois un article qui parle Covid, Covid, mort, Covid, Covid, mort. Et à chaque fois, en fait, j'ai l'impression qu'on vit dans un climat de peur H24. Et du coup, je m'en détache à fond, où je lis plus aucune presse. Je lis que des trucs où je me dis à la fin, c'est bon, j'ai appris quelque chose d'utile, je me sens moins con, plus intelligent. Alors quand je lis la presse maintenant, parfois, j'ai vraiment l'impression à la fin d'être un petit pion qu'on manipule. Donc pour ça que pour l'instant, je m'entoure vraiment de bonnes ondes, de bonnes énergies positives. Donc faites gaffe, franchement, à votre santé mentale. Je pense que c'est ultra important. Blindez-vous à fond maintenant de belles ondes. Je pense qu'on en a besoin pour traverser cette période. Mais voilà, du coup, à cause de cette deuxième vague, on a reçu des nouvelles pas si bonnes que ça, pour tout vous dire. Il y a malheureusement deux gros projets sur lesquels on avait beaucoup d'attentes qui sont malheureusement pas encore tombés à l'eau, enfin non, heureusement pas encore tombés à l'eau, mais qui sont malheureusement reportés. Donc j'espère vraiment que ça a été uniquement reporté et que ça va pas être annulé, mais on nous a clairement dit que par rapport à ce qui se passait maintenant, bah forcément que c'était plus une priorité, que malheureusement ça allait être reporté à la fin de l'année ou début 2021. Donc je croise à fond les doigts pour que ça reste d'actualité. Et qu'on n'ait pas un non finalement. Et pour l'instant, c'est ni un oui, ni un non, c'est un on verra demain. Mais heureusement pour l'agence, il y a plusieurs projets qui sont en cours, il y en a d'autres qui sont tombés entre temps. On a commencé vraiment à se rendre actif à fond sur LinkedIn. On a essayé un petit peu de faire ce qu'on disait à nos clients de faire. Très souvent, c'est ce qui se passe en tant qu'agence. On est doué pour dire aux autres ce qu'il y a à faire, mais pour le faire nous aussi, autre chose. Mais on a vraiment pris le temps, on a mis le focus à fond sur la création de contenu sur LinkedIn. Et on est quasiment à 300 000 vues en même pas 30 jours. Donc franchement, c'est vraiment cool. On a de bons retours. Il y a plusieurs petites PME, des clients de plus petite taille qui sont venus aussi. Ce qui est bien pour nous, c'est plus un rapport humain et ça nous plaît vraiment à fond. Donc je touche vraiment du bois pour la suite. J'espère qu'on ne sera pas trop impacté financièrement à cause de ce qui se passe maintenant. Mais on verra par la suite. De nouveau, encore une fois, je touche du bois. Putain, je commence à en toucher du bois. Mais du coup, la vision qu'on a maintenant, c'est de foutre le paquet maintenant. Clairement, je pense que c'est maintenant qu'il faut se démarquer. Je pense honnêtement, j'ai une pression un petit peu sur les épaules. Je pense que c'est maintenant qu'il faut aller à fond dans ce qu'on fait. C'est maintenant qu'il faut se démarquer, qu'il faut se rendre visible. C'est pour ça qu'on est en train de lancer maintenant un gros projet en interne depuis quasiment deux semaines. Loïc bosse à fond dessus. On est vraiment en train de créer une campagne qu'on va diffuser sur plein de plateformes différentes. On va investir là-dedans, on va prendre le risque, on va tester. Mais je pense que c'est maintenant qu'il faut réussir à se rendre visible. Dès qu'on aura fini la campagne, je pourrais vous la montrer sur cette série. Mais voilà, du coup, je pense maintenant, il faut se montrer à fond, il faut se démarquer. Il y a des boîtes qui vont malheureusement crever, c'est la vie, c'est normal. Il y a des boîtes qui vont survivre et j'aimerais pouvoir faire partie de ces boîtes-là. Du coup, on va se montrer à fond, on va tout faire pour se démarquer. Ça va pas être facile, mais on reste motivé, on reste vraiment sûr de nous, sûr aussi du service qu'on a apporté aux PME et aux grosses boîtes avec qui on bosse actuellement, avec qui on risque de bosser demain. Donc on va tout faire pour se démarquer à fond et on est motivé comme d'il faut. Maintenant, faut pas se voiler la face, c'est clair qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont moins dépenser dans le marketing. J'ai vu un rapport qui disait qu'il y a beaucoup de boîtes qui vont diviser de moitié leur budget marketing, mais franchement, c'est chaud. Donc c'est clair qu'il faut s'adapter, on n'a pas le choix, c'est clairement ça. Si maintenant on reste sur ce qu'on faisait avant, jusqu'à avant le Covid, bah on va crever. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à s'adapter, à changer aussi un peu notre façon de travailler, à vraiment réussir un petit peu à se greffer à des entreprises qui ont peut-être moins de moyens, qui ont peut-être moins de ressources. Du coup, on est vraiment en train de prendre un max de recul, un max de hauteur sur ce qui se passe pour réussir à trouver des portes qui s'ouvrent et ne pas juste voir celles qui se ferment. Mais j'ai reçu une question par privé sur Instagram d'un entrepreneur qui me demandait comment je faisais pour réussir à vendre pendant cette période Covid. Et c'est un sentiment que je partage aussi, c'est des questions que je me pose souvent à me dire c'est vraiment au fond de moi, j'ai l'impression que maintenant c'est pas du tout une période pour vendre. J'avais déjà eu ça pendant la vague numéro 1, mais là pendant cette numéro 2, j'ai vraiment l'impression de nouveau, alors qu'il y a 3 semaines j'avais pas ce sentiment, mais là j'ai vraiment ce sentiment que si maintenant je prends le téléphone et que j'appelle les entreprises pour leur vendre nos services, vraiment je me sentirais trop mal à le faire. J'ai plus envie d'être là pour les boîtes, de les aider, vraiment d'apporter mon aide pour qu'on s'entraide à fond ensemble. Et j'ai un peu l'impression que si maintenant j'essaye de vendre,
que ouais, je suis une sorte de voleur ou en fin de compte, c'est pas maintenant qu'il faut le faire. Mais on essaye de trouver une façon de le faire indirecte, une façon qui est peut-être moins agressive, qui est plus respectueuse, qui est encore plus empathique. Si c'est un sujet qui vous parle, dites-le moi en commentaire, dites-moi si ça vous parle ou pas que ce soit une vidéo qui parle de ça. Mais je préfère du coup une vidéo qui parlerait de comment réussir à vendre pendant la période Covid sans paraître pour une personne lourde, insistante, agressive et le commercial classique qu'on déteste et qu'on supporte pas, qui est juste là pour réussir à nous vendre ses services et qui a zéro côté humain. Dites-moi si ça vous intéresserait en commentaire et du coup je ferai une vidéo dessus dans les prochains jours. Voilà, j'ai un peu l'impression maintenant d'être devant une montagne, de voir là où je veux aller, de voir le sommet de la montagne, d'avoir tout le matos qu'il faut pour, d'avoir un sac à dos de fou, d'avoir une équipe de fou, d'être vraiment préparé à fond. Maintenant, faut y aller, faut courir, faut commencer à y aller, on va se casser la gueule, on va déraper. Ça va être dur, on va transpirer à fond, il fera beau, il fera froid, il va neiger, mais au bout du chemin, on va y arriver. Bref, voilà pour l'update, c'est une vidéo un poil plus chill. Franchement, j'ai pas envie de me compliquer pour ces vidéos, je kiffe trop les faire. Et vraiment, je suis une personne spontanée, donc j'ai pas envie de réfléchir non plus trop à comment introduire le sujet, à quelle histoire mettre en place. Je pourrais le faire, je suis sûr, je pourrais prendre la caméra et puis me dire je fais un storytelling sur tel sujet. Je vais le faire quand j'en aurai envie. Mais je suis tellement dans le spontané que là, je me suis juste dit avant, c'est la fin de journée. J'ai rattrapé un peu tout l'admin que j'avais en retard maintenant et j'avais envie de parler. Je prends la caméra, je mets on et je parle et sans commencer à me dire attends, non, il faudrait que je crée l'intro pour le truc. Voilà, je parle juste. Et voilà, du coup, c'est un petit peu une vidéo update pour vous dire un petit peu où j'en suis. Je vais essayer d'en faire autant que possible, et vraiment j'ai envie d'en faire le max possible, 2 par semaine, 3 par semaine, sans mettre de pression de fréquence, mais en tout cas je kiffe trop ce contenu, j'espère que ça vous plaît à vous aussi, j'espère que le format vous plaît. Et voilà, on se retrouve demain, après-demain, tout bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas un truc, malgré la période, malgré ce qui se passe, malgré la presse, malgré les mauvaises nouvelles, gardez à fond le sourire, ça fera une immense différence, surtout maintenant. À bientôt.